Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La mission exploratoire de la CEDEAO se mue en mission d'information au Togo. Une mission d'information dans la perspective des élections législatives et régionales du 29 avril. Elle devra entreprendre une évaluation préélectorale conformément au texte communautaire. Sans accroc et dans les temps, c'est dans ce climat que se déroule le dialogue national au Gabon. Les travaux en sous-commission ont pris fin ce 18 avril et à mi-parcours, le bilan est jugé satisfaisant. Les détails à suivre. Et puis Abidjan vibre depuis le 13 avril au rythme du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Un millier d'artistes venus de plus de 50 pays y prennent part. Le Rwanda est l'invité d'honneur de cette 13e édition. Mais tout d'abord, pour son premier déplacement en tant que président de la République, Diomaye Faye a choisi la Mauritanie. Le nouveau chef d'État sénégalais est arrivé ce jeudi à Nouakchott pour une visite d'amitié et de travail. À l'ordre du jour, le renforcement de la coopération bilatérale à travers des dossiers communs tels que le gisement de gaz naturel Grand Tortue à Meïm, dont le début de l'exploitation est prévu en fin d'année, le pont de Rosso à la frontière sénégalo-mauritanienne et en construction depuis 2021 devrait également être au cœur des échanges avec son homologue, le président Mohamed El Ghazouani, également président en exercice de l'Union africaine. Notons que Bassirou Diomaye Faye se rendra ensuite en Gambie ce samedi 20 avril. Je vous le dis en titre, une mission de la CEDEAO séjourne depuis le 15 avril à Lomé. Une mission d'information et non plus exploratoire comme précédemment annoncé. Elle doit rencontrer les principales parties prenantes au processus électoral dans un contexte tendu marqué par l'adoption d'une nouvelle constitution. Il y a quelques jours des élections législatives et régionales du 29 avril. On fait le point avec Nathalie Mo. Une mission diplomatique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, séjourne au Togo du 15 au 20 avril 2024. La mission de 7 membres, présentée comme exploratoire, rencontre le pouvoir et l'opposition suite aux tensions politiques consécutives à l'adoption d'une nouvelle constitution dans le pays. Le président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Oumar Aliou Touré, a approuvé le déploiement d'une mission d'information au Togo dans la perspective des élections législatives et régionales prévues le 29 avril 2024. La mission entreprendra une évaluation préélectorale conformément au texte communautaire et ne s'engagera dans aucun autre processus comme indiqué dans un communiqué antérieur qui sera retiré. Le projet de nouvelle constitution propose un changement du régime présidentiel au régime parlementaire. L'opposition craint que cette réforme constitutionnelle ouvre la voie à un maintien au pouvoir du président Faure Gnassingbé, dirigeant du pays depuis 2005. Au Togo, se tiennent des élections législatives et régionales le 29 avril 2024, un scrutin au cours duquel l'opposition tient à marquer un coup électoral en remportant la majorité parlementaire pour bloquer l'entrée en vigueur du nouveau texte organique. Pour atteindre l'objectif du véritable changement, nous ne devons accorder aucune voix à ceux qui violent impunément la Constitution et les lois, ou qui soutiennent le changement de Constitution et qui instrumentalisent la justice et l'armée, ainsi que toutes les institutions de la République. Selon les changements constitutionnels adoptés au Togo, les membres du Parlement éliront le président qui à son tour nommera le président du Conseil des ministres avec des pouvoirs exécutifs. Le président de la République, lui, sera nommé sans débat au sein du parti ou de la coalition qui détiendra la majorité parlementaire. L'arrivée de la mission communautaire ouest-africaine fait suite à un appel de l'opposition ainsi qu'à une rencontre le 11 avril 2024 entre le leader de l'opposition togolaise Jean-Pierre Fabre et l'ambassadeur de la CEDEAO au Togo.
Dans l'actualité également, ce nouveau tour de vis au Mali, les autorités ont annoncé ce mercredi 17 avril la dissolution de l'appel du 20 février pour sauver le Mali, un mouvement qui rassemble plusieurs partis politiques et organisations de la société civile. Il est reproché à la plateforme de, je cite, s'illustrer en permanence par des agissements ostentatoires de nature à troubler l'ordre public et à porter atteinte à la souveraineté de l'État et à l'unité nationale. Rappelons que la junte au pouvoir a opéré ces derniers jours plusieurs restrictions, avec notamment la suspension des activités des partis et associations à caractère politique et l'interdiction aux médias de couvrir leurs activités. L'opposition dénonce une dérive autoritaire. Les pourparlers vont bon train au Gabon. Les débats entre partis politiques, militaires, ONG et associations se déroulent sans accroc. Les travaux en sous-commission ont d'ailleurs pris fin ce 18 avril et d'ores et déjà, un consensus se dégagerait sur plusieurs points. Explication avec Joseph Moifo. Bâtir ensemble un idéal commun, c'est le leitmotiv des 600 participants au dialogue national inclusif. Ce 18 avril marque la fin des travaux au sein des sous-commissions entamées le 8 avril 2024. Il a fallu 10 jours aux commissaires et délégués pour mener les travaux de réflexion et discussion approfondie autour des problématiques soulevées par les populations du Gabon. Ceci dans le but de trouver des solutions aux 38 000 contributions déposées. Nous sommes en train d'arriver aujourd'hui au terme de la seconde phase de ce dialogue national inclusif. Nous avons engagé déjà dès ce matin ce qu'on peut appeler les plénières, des sous-commissions et des commissions. Après cette seconde phase qui était consacrée à l'analyse des thématiques issues de l'ensemble des 38 000 contributions du peuple gabonais, les organisateurs et les membres se disent satisfaits d'avoir examiné toutes les préoccupations liées à leur sous-commission. Nous avons senti que chacun voulait se rendre utile pour participer à la restauration non seulement des institutions, mais aussi à la restauration des hommes et des comportements et des attitudes pour que, au terme de nos analyses ici à Ngondje, le Gabon ait un nouveau visage tout rayonnant et resplendissant. Les commissaires ou encore les participants qui ont pris part ont une envie vraiment qui est un changement, qui est une nouvelle constitution. Les Gabonais aspirent à un changement, ils veulent des nouvelles lois, une nouvelle constitution, un changement aussi au niveau du comportement, si vous voulez une restauration. Donc vraiment, en 10 jours, je peux dire vraiment que le bilan est satisfaisant. Dès ce 19 avril, et ceci jusqu'au 21 avril, débuteront au sein des sous-commissions et commissions l'élaboration puis la validation des rapports des travaux. Du 24 au 25 avril est prévue une plénière restreinte pour l'adoption des rapports des commissions. Du 25 au 27 avril aura lieu les travaux de la plénière générale pour l'adoption du rapport final. La cérémonie de clôture du dialogue national inclusif, quant à elle, est prévue pour le 30 avril 2024. La Côte d'Ivoire veut se mettre au vert. Les autorités sont en quête de 22 milliards de dollars d'ici 2030 pour accélérer la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Cependant, les ressources publiques jugées insuffisantes pour mener à bien ce projet ont conduit les autorités à appeler le secteur privé à la contribution. Samantha Saberou Sabobanga. Pour financer les mesures d'atténuation et d'adaptation du plan d'action climatique, l'État de Côte d'Ivoire sollicite une aide de 22 milliards de dollars d'ici 2030. C'est ce qu'a déclaré mardi 16 avril 2024 à Abidjan le ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Konan. La croissance et le développement durable passe par l'atténuation des effets du changement climatique et la protection du milieu naturel et de ses ressources. Ces enjeux, qui sont étroitement liés, appellent une plus grande implication du secteur privé dans la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national. Le gouvernement ivoirien a affiché et rehaussé ses ambitions climatiques qui visent à réduire de 30,41% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, à augmenter la capacité du pays de séquestration de carbone et à réduire la vulnérabilité et accroître
la résilience des populations dans 5 secteurs. Il s'agit des ressources en eau, de l'agriculture, de l'aquaculture et l'élevage, des forêts et l'utilisation des terres, de la santé et des zones côtières. La transition vers le green constitue un vaste chantier dont le succès nécessite l'implication de toutes les parties prenantes, à savoir le secteur privé, le secteur public, les partenaires techniques et financiers, les milieux académiques, scientifiques et technologiques. C'est en cela que Cap Green trouve ici toute sa pertinence. Rassembler tous ces acteurs majeurs autour d'une tribune qui servira à la fois de catalyseur d'échange pour mieux comprendre les défis et mieux agir. Les ressources publiques étant insuffisantes pour une lutte efficace et meilleure transition vers les énergies renouvelables, le gouvernement ivoirien sollicite le secteur privé pour la mobilisation de ce financement. Selon certains experts, les investissements et le financement des entreprises vertes s'inscrivent dans le cadre des ambitions du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. La 13e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan se poursuit avec le Rwanda comme invité d'honneur. Le choix du pays des mille collines est un hommage à sa culture vibrante, son histoire complexe et à sa capacité à transcender les épreuves pour créer un avenir prometteur. Un modèle de réussite qui est, vous le verrez, au centre des conférences et débats dans la capitale ivoirienne. Marie-Roger Kouaou. Au Rwanda, l'art et la culture sont bien plus que de simples expressions artistiques. Le pays doit en effet sa guérison et sa progression à ces entités qui ont été l'un des moteurs du développement du pays, en nourrissant l'âme du peuple et en contribuant à son progrès économique et social. En 2016, les industries culturelles et créatives représentaient 5,3% du produit intérieur brut au Rwanda, dépassant la moyenne régionale et rivalisant avec l'Union européenne. Son avancée significative dans l'art et la culture fait du pays l'invité d'honneur de la 13e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, Massa 2024. À la suite du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, notre nation s'est engagée sur la voie du développement socio-économique et de la réconciliation. Et nous avons fait appel à notre culture et à la créativité comme des catalyseurs afin de soigner les cœurs et les corps meurtris. L'art et la culture ont joué un rôle crucial dans le progrès du Rwanda. Pour perpétuer son développement, le gouvernement rwandais consacre un budget conséquent aux industries créatives et culturelles. En 2023, le budget alloué au ministère de la Culture au Rwanda s'élève à 11 milliards d'euros, soit une augmentation de 527 millions d'euros par rapport à 2022 et 7% en valeur relative. Nous avons fait appel à des pratiques traditionnelles culturelles rwandaises et nous les avons adaptées aux demandes de notre développement économique moderne. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, le progrès, ça vient vraiment d'une mentalité rwandaise, mais une mentalité aussi qui reconnaît que les besoins de notre jeunesse, les besoins de nos sociétés de demain ont besoin de porter un regard très positif sur le futur. Invité d'honneur au Massa, le Rwanda saisit l'opportunité offerte par cet événement pour renforcer les liens d'amitié et de coopération avec les autres nations représentées, à travers des échanges culturels fructueux et des collaborations artistiques enrichissantes. Le Rwanda contribue à tisser les fils d'une toile artistique mondiale, unissant les peuples par-delà les frontières et les différences. À la page sport, le compte à rebours est lancé. Les Jeux olympiques de Paris démarreront dans moins de 100 jours. L'Afrique sera représentée dans la majorité des disciplines, y compris en handball féminin et masculin, respectivement par l'Angola et l'Égypte. Les deux nations ont d'ailleurs été fixées sur leur sort ce mardi. On fait le point tout de suite avec José Douglas. C'est à la maison du handball, dans la banlieue de Paris, que plusieurs membres du CIO et le monde du handball se sont réunis pour ce tirage au sort qui s'est déroulé le mardi 17 avril 2024. L'Angola chez les filles connaît ses adversaires. Il s'agira de la Hongrie, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Brésil et de la France. Les Angolaises ont remporté le championnat d'Afrique femmes qui les qualifiait directement au JO 2024. Ce sera la 8e participation de l'Angola au tournoi olympique depuis ses débuts en 1996, la 7e place étant le meilleur classement jamais atteint par les Angolaises, et la France se méfiera. Oui, c'est une très bonne équipe avec d'excellentes joueuses, un pivot qui est peut-être le meilleur pivot du monde, Kasoma. Après, on a perdu en 2007,
contre eux. Je crois que depuis, on a jamais perdu. Mais il faudra jouer avec nos armes. Hein. On les connaît bien. Il faudra bien les étudier. Et c'est sûr qu'il faudra la grosse défense française parce qu'il y a énormément de qualités. Il y a des qualités physiques, il y a des qualités de tireur. Et il faut gagner le duel aussi tactiquement parce que physiquement, on domine beaucoup d'équipes, mais celle-là, on n'est pas sûr de la dominer. Quant aux hommes de l'Égypte, les pharaons croiseront sur leur route le Danemark, la Norvège, la Hongrie, l'Argentine, mais aussi la France. Les Égyptiens qui ont remporté la 26e Coupe d'Afrique des Nations d'handball. En 2001, les Égyptiens s'inclinent en demi-finale du championnat du monde face à la France, pays organisateur, et puis dans la petite finale contre la Yougoslavie. En 2021, les pharaons obtiennent une 4e place au JO de Tokyo et remportent un an plus tard leur championnat d'Afrique des Nations. 7 participations au JO depuis 1992. Mais comme toutes les équipes de cette poule, l'Égypte, c'est une équipe qui était en demi-finale des JO à Tokyo. C'est une équipe qui est capable de gagner contre n'importe quelle nation et qui aura elle aussi son mot à dire dans cette compétition. Donc clairement un adversaire que l'on respecte, que l'on voit aussi progresser de compétition en compétition et qu'on va prendre bien évidemment très au sérieux. Phase de groupe pour les filles du 25 juillet au 3 août à l'Arena Paris Sud Porte de Versailles et pour les hommes du 27 juillet au 4 août toujours à l'Arena Paris Sud Porte de Versailles. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue.